Ça y est, on y est enfin. Monster Hunter Rise, salut YouTube, comment vas-tu? Bienvenue sur cette découverte, enfin Monster Hunter Rise. J'espère que ça va, hein. Pas mal de temps avant, un mois qu'il n'y a pas eu de VOD, je m'en excuse, hein. Problème d'internet. Mais voilà, on reprend avec un jeu formidable. Alors attention, Monster Hunter Rise, version 1.1.1. À nouveauté, éléments, système ajouté, les amiibo peuvent désormais être scannés. On peut mettre des amiibo, trop bien. Je veux avoir un Link, moi. Je veux me battre avec Link, en fait. Ajustement, des bugs ont été résolus, ce qui est logique. Oh, écoutez-moi cette musique, trop bien. Allez. Nouvelle partie, on commence l'aventure. Et la découverte, hein, aussi. Oh là. Déjà, moi, direct, c'est une femme. Hop. Alors, on a enfin accès à la personnalisation qu'on n'avait pas, dans la démo. Encore voir ce que ça propose. Des trucs différents. Est-ce qu'on pourra personnaliser plus après? Ça, c'est la question. Trop bien. Ah, je sais pas quoi choisir. Alors j'aime bien moi déjà les cheveux courts comme ça. Pas trop bien, non? Est-ce qu'on peut personnaliser après? Sectionner comme base pour vos modifications. Oui, on peut. D'accord. Bon, alors de base, un truc qui convient bien, et puis après comme ça, il n'y aura pas trop de modifs à faire. Ça me va en fait. Go! Avancer. Qu'est-ce que je peux faire? Complexion. Qu'est-ce que c'est que ça? Forme du visage. La taille des joues. Ouais, on peut. Oh là 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 là! Vous êtes prêts pour une VOD de 45 minutes où on fait qu'un personnage? Ça sera du coup la VOD 0, hein. Longueur du menton. On peut mettre un grand menton. Oh, mais en vrai, là, ça va. On va pas trop toucher à ça. Moi, ça me va. Comment on fait? Retour confirmé. Retour. Oh. Est-ce que la musique n'est pas trop fort? Est-ce que ça va, hein? N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, je changerai. On peut choisir l'âge, on peut lui... Ah! On peut faire une vieille! Voilà, mon âge. On peut lui mettre des muscles. Où est-ce qu'on voit les muscles? Est-ce qu'on voit des muscles? Je vois pas de muscles. Y'a rien, en fait. Bon, bah pas de muscles, ça change rien, en vrai. Bien, pas de muscles. La coiffure. Alors, la coiffure. On a quoi? J'aime bien les cheveux attachés, moi. Non, les coupes, non. Après, cette coiffure, ça va, en vrai. On retrouve des coiffures de... qui étaient dans Monster Hunter Rise. Bon, ok. Alors, c'est soit ça, soit ça. Ça, c'est bien, en vrai. Vas-y, on va laisser ça. Par contre, la couleur des cheveux... en blanc. Moi, j'aime le blanc. Ah, je suis trop... Ah, c'est trop bien. Ah, ouais, un peu violet, comme ça. Ah, c'est trop bien. Au secours! Tellement de possibilités! Déjà! Un petit rose! Sakura! Non, en vrai, un violet léger comme ça. Ouais, c'est bien. Les sourcils. Oh. Il y a tellement de sourcils aussi! Au secours! Ça change totalement la tête du personnage, hein, les sourcils. Hein. On va dézoomer un peu. Alors, bon, je peux ne pas lui mettre de sourcils. Ça, j'aime bien. Là. Ouais. Oh, de toute façon, je vais regretter mon choix un moment. Et puis, la couleur, ça me va très bien. C'est quoi la profondeur des sourcils?
La largeur. C'est l'écart qu'il y a. On va mettre beaucoup. Voilà. Et la position, c'est haut ou bas. Ouais, comme ça, on va pas... Hein. Les yeux. Mes yeux me vont bien comme ça, en vrai. Hein. Non, ça me va, moi. Le nez. De profil, ça va. De face, ça va. On va pas changer. En vrai, ça va peut-être aller plus vite. Hein. La bouche, c'est pareil. Très bien. Est-ce qu'on lui met de la beubare? Petite stache mou, là. Un petit duvet, là. Pas mal, quand même. Regardez-moi. Pas mal, là. Non, on arrête les conneries, on arrête les conneries, excusez-moi. Maquillage. C'est très bien en vrai comme ça, j'ai même pas envie de le changer. Maquillage 2, c'est la bouche. Ah. Si on lui en met pas, c'est... Ah, j'aime bien comme ça, sans. Peut-être... J'en sais rien en fait. Comme ça, mais changer la couleur. On peut changer la couleur. Là. Je veux noir. On voit pas. Ça change pas en fait. Bah du coup, on va pas le mettre. On peut lui mettre des peintures de guerre. Ah ça j'aime bien. Pas trop. Ouais comme ça ça va. Hein. Admettons, les vêtements. Bon j'imagine qu'il y a deux types. Ah non il y a plus que deux. Bon après de toute façon ça on va vite les changer. Énorme ça. C'est énorme ça. Bon non, on va... De toute façon, ça va vite changer, donc ça, on s'en fout. La voix. Type de voix. Comment on l'écoute? Hola. Domo. Watashi gambarimasu. Je ferai le meilleur que je peux.楽しもうな。やるじゃねえか。よろしく。完璧しました。いいぜ。気楽に行こうぜ。よろしく。えい、えい。よろしくな。もうせぼ。よろしくな。やるのか。ホームランのごとく。鍛えてますから。みんなのために。なんとイグ。さ、せびん。お、ルカンズ。お、レス15。ジェスチュエル。Qu'est-ce que c'est ça, la gestuelle? Et on voit ce que... Ok, c'est pour voir un peu, je pense. Les expressions de joie, de colère, de douleur. Et de plaisir. Ah. Ah là, ah là. Ok, général, c'est quoi? Ah, c'est pour choisir le visage et tout, ok. Ok, bah en fait, on va... Oh d'accord, c'est si vous voulez refaire le même perso que moi. Ça, c'est vrai que ça manque des trucs comme ça. C'est vrai que ça manque. Ok. Ah mais attendez, j'ai pas choisi la couleur de mes yeux, là. Attendez, attendez, attendez. Non, là. Mon Dieu. Quelle erreur qu'on allait faire, là. Ah, je veux les yeux bleus, moi. Ah ouais, comme ça. Direct. Direct. C'est parfait. Attendez, il y avait une autre couleur là, c'est quoi? Couleur des cils. Ça va rester noir, non? Mais c'est pas noir là.
On va pas toucher, hein. Du coup. Est-ce qu'on peut choisir la longueur des cils? Non. Oh mais on est bien là en vrai. Je pense que c'est bon. Gérer les modèles. Je vais sauvegarder le modèle. Voilà. Trop bien. Voilà. Notre perso est fait. Nous le confirmons. Et puis je pense que c'est parti du coup. Hein. Créer un personnage avec ses paramètres. Entrer son nom. Ah. Cette information sera visible par de nombreux joueurs et pourrait être sauvegardée par certains. Merci de ne pas inclure de contenu illégal, insultant, personnel ou... C'est vrai, comment on va l'appeler du coup? Ah moi je pense... Géraldine. Géraldine, c'est très bien. Voilà. Voilà. Voilà, nous allons suivre les aventures de Géraldine dans le monde de Monster Hunter Rise. Et ça, c'est beau. Ah oui, on doit... Oh putain, on doit personnaliser aussi notre Chupski, c'est trop bien. Moi, je valide. Le modèle. Alors, voyons voir. Mais ça, c'est le modèle, Ça me fait penser... Bah, c'est le Legiana, en fait. Ça me fait penser au Legiana. C'est trop bien. Le Legiana qui a un... Un monstre qui est vraiment stylé sur... Sur Monster Hunter World. Ah, mais on peut faire trop. On peut faire trop de trucs. Oh, mais... Je crois que j'aime bien celui-là, en vrai. Il est pas trop classe, lui. Oh, je sais pas. Lui aussi, il est bien. À l'aide. Oui, ça. Le pelage. Oh, mais il y a tellement de choses! Ah, c'est dommage que ça lui modifie aussi sa tête. Non, la couleur, ça, on n'y touche pas, là. Ah, là, on peut peut-être choisir... Non. Les motifs. Ah, je peux le mettre tout blanc. Genre, pas de motif. Et là, du coup, il prend la couleur intégrale. Ouais, c'est mieux comme ça, ouais. Stylé. Les yeux, j'ai envie de les laisser comme ça. J'adore, moi. Et non, il louche, là. Regardez, il a l'air un peu con. Il a l'air un peu con, là. Non, comme ça, c'est bien, en vrai. On va pas le changer. Les oreilles. Non bah non du coup ces oreilles. Ces oreilles là sont très bien. Hein. On va pas changer ça non plus. La queue. La une est très bien aussi. Je l'aurais vu un peu plus stock hein, moi mon chien. Quand tu vois moi le chien que j'ai. Un gros fat Et on met un truc bleu comme ça. Ah ou comme ça. Ah bleu turquoise hein. Bleu turquoise. On peut choisir sa voix. Non. Bah non, 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 non. Ouais, celui-là, il est bien. Et sa gestuelle, c'est quoi? Oh oui, c'est tir! Oh le bon toutou! Est-ce que je suis comme un gosse? Oui. Voilà, alors si vous voulez
faire le même clébard que moi. Voilà. Trop bien. Et gérer les modèles. On va le sauvegarder aussi. Ah, faut lui donner un nom. Comment on l'appelle? Comment on peut l'appeler? Merde, j'allais écrire au clavier. C'est bon, j'ai son nom. Voilà. Je pense qu'en fait, ça fallait. Non! J'aurais dû l'appeler là! Attendez, retour! Oui! Confirmé. Non, non, du coup, non, attendez. Comment on l'appelle, là? Ah, oh, je sais pas, au secours. Aucune idée, moi. En rapport avec blanc. Qu'est-ce qu'il y a blanc? La neige? Non. Sopalin. Sopalin, c'est blanc? Non. Mais con. Au secours. Oh, j'en sais rien, moi. Je vais m'arrêter sur un objet dans ma pièce. Et il s'appellera comme ça. C'est bon, j'ai trouvé. Notre palico du coup. Alors là, là ça va être incroyable parce que ça change rien, ça change rien. Le pelage me va très très bien comme ça. C'est les yeux. Ben quoi? On peut pas faire des yeux un peu blasés là? Il y a solo, mais c'est pas très blasé quoi. Ça ira comme ça. Yo Kinder, oui, enfin récupérer la cour. Ça fait un bien fou. Les vêtements. Ouais, les vêtements, ça va. Oh ouais, ça. Ça, c'est très bien comme ça. Type de classe. Ah putain, on peut jouer. Oh, trop bien. Guérisseur, ange gardien, c'est quoi? C'est pour assister, placer les pièges et affaiblir. Ah, mais c'est les machins, ça. Là, c'est ce qui va tanker. Bombardier, non, chapardeur, ça c'est pour voler les machins. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Après j'aime bien moi les pièges, mais vas-y, on va laisser guérisseur, je pense qu'on pourra le modifier après. Voilà, si vous voulez refaire le même palico que moi. Voilà. On va sauvegarder le modèle aussi. En sauvegarde. Ok. Et moi j'ai son nom du coup. Voilà. Et voilà. C'est bon. Je sélectionne.
Nice. On est parti. Voilà, cette scène aurait été très bizarre si je l'avais appelé Dagger, mon chien. さすがはカムラの里でも指折りのつわもの。まだまだ私たちは修行不足のようです。え?勝手に入ってきちゃダメ?嫌ですわ。同じ里のヨシミ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより。 On est... Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? On est tous de la même famille. Hein. On est pratiquement tous de la même famille. Au secours! Et voilà, on a déjà changé notre gueule. Rise! Oui! Enfin! Putain, Wolverine! Sato-san, お連れしました. Oh, Kinoe, Minoto, Gokuro. C'est Kinoe, c'est qui Minoto? Tatta ima, Fumi ga todoita zo. Chikajika, Hyakuryu Yakou ga okoru sou da. ついに始まってしまうのですね。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。あまたのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いに カムラの里存亡の危機。オンフォルナーカが近いうちに砦で遠征することになるだろう。いや、ドットモンスター、メジプレの。ご心配には及びません、佐藤さん。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため。姉様、早く準備に取り掛かりましょう。 Putain, il a de ses dents. Il a des dents de clébard. Allez, Géraldine, on oublie cette histoire de calamité. J'ai du nouveau pour toi. Oh, la calamité qui arrive, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être le mob qu'on a vu là, le monstre qui était dans le ciel, je sais pas, putain. Trop de choses. J'ai reçu un message de la guilde ce matin. On dirait bien que tu es une chasseuse confirmée à présent.
Bien joué, Morveuse. Je devrais peut-être plus t'appeler comme ça. Je ne devrais peut-être plus t'appeler comme ça, pardon. Mais crois-moi que je vais pas me gêner. Excusez-moi de vous déranger, ancien. J'ai fait part au village de la calamité qui approche, comme promis. Merci. Au fait, Géraldine, j'ai entendu la grande nouvelle. Te voilà chasseuse. Félicitations. Tu n'as plus qu'à t'inscrire auprès de la guilde à présent pour pouvoir te lancer dans les quêtes. Il va falloir que tu ailles voir au jour le maître de la guilde, au grand camp. Il t'expliquera. Écoutez cette musique. Mais ce n'est pas urgent. Commençons avec un peu de shopping. Oh, du shopping direct. Tu vas avoir besoin de l'aide d'autres villageois si tu veux réussir tes quêtes. Alors... Oh putain, c'est vrai, faut que je fasse les voix, ça va être terrible. Alors, suis-moi. Par qui commencer? Évidemment, le spécialiste des mystères, Kagero le marchand. Putain, mais déjà le personnage, dès que je parle, il est déjà insupportable. C'est terrible. Dès que je fais une voix, je les rends insupportables. Je suis désolé. Quelle belle voix, ouais. Attendez, quittez le didacticiel, non, j'ai pas lu. Utilisez pour vous déplacer R pour courir, oui. Très bien, ça me va. On se déplace en Monster Hunter Rise. Oui, c'est trop bien. Et toi là? C'est trop bien. Tu peux parler? Comment il s'appelle déjà? Fugen l'Ancien. En tant que chasseuse, tu peux acheter des marchandises un peu différentes. Des pièces d'armure, des objets, des repas roboratifs, bien sûr. Va voir Inoa, elle t'aidera. Ouais, j'ai appelé mon chat Dagger. Et comme je savais pas comment l'appeler, mon chien, je l'ai appelé Gaviscon, quoi. Je suis désolé. Tu peux changer de cible? Je peux pet the doggo. Je peux pas le pet. Je peux pas pet the doggo. Mais mon chien, je peux le faire? Non, mais je peux monter dessus. Donc là, on a la roue pour utiliser les objets, bien évidemment. Ça, on connaît. Il va falloir faire tous nos raccourcis nous-mêmes. Ça va être insane. Hein. Ok. Comment on descend comme ça? Normalement avec ZR après je peux hop, lancer le philoptère, ça je m'en rappelle. Hop, suivi d'une attaque, mais là je peux pas. Mais c'est trop bien là, on peut se déplacer et tout. Regardez-moi cette ville, il y a du monde et tout. Toi le chat, je peux te parler? Mais oui, t'es un chat poissonnier. Hey Daga Anega le grand chasseur, qu'est-ce que tu me dis? Salut, ça roule. Et moi c'est Anenaga. Je démarre, je suis venu pour bosser comme chasseur. Oh les voix que je fais. On verra ça plus tard. Tu fais du shopping, je te laisse. Ah les voix terribles que je leur fais, trop bien. Sané, toujours vivant. Ça fait tellement plaisir aussi de te revoir. Mais tout le monde s'abonne aujourd'hui, c'est ça qui est beau. Je vais arrêter plus souvent moi. Le mois prochain, on se retrouve en stream. Oh là là, le train de la hype tout à l'heure, le Sané qui revient en plus. Mais c'est beau, toujours debout, toujours la banane, rassurez-vous. Comment ça? Qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Oh là, je peux rentrer là? Ah, je peux pas encore. Oh là, c'est un onsen ça? Trop stylé! Arrête tes bêtises, on est toujours là. C'est vrai, non mais... Je rigole. En vrai, ça m'a tellement manqué de la stream. Attends, je pouvais parler à quoi? Ah, c'était toi que je peux. Forge pile poil. J'espère. Non, mais j'ai pas une voix de merde là pour le chef. 1-2-1-2. Non. J'ai pas une voix qui traîne là, dégueulasse là. Ah, bougez pas, on va en faire une. Oh. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Bonjour. Trop drôle. Attendez.
Attendez. Bonjour, bonjour. Un peu comme ça, là. Non. Alors, c'est un peu mieux, là, pour faire des chats. Ça peut le faire, hein. Vous en pensez quoi? Ça va être infernal. Et j'espère que ce n'est pas pour faire des affaires, parce que la forge fait le poil n'est pas encore ouverte. ça me va, moi. Toujours au chômage et en recherche de cartes graphiques et de l'amour véritable. Ah, c'est compliqué, je suis dans la même truc que toi. Pour trouver du boulot, c'est très compliqué en ce moment. Et j'ai l'impression que ça va pas aller en s'arrangeant pour l'instant. Et la carte graphique, toujours pas trouvée. Mais t'as... Comment dire, le PC, tout ça, t'as été remboursé. Tout ça de ton PC, quand même, rassure-moi. Parce que moi, la dernière fois, c'était... Il me semble que tu m'avais dit qu'ils acceptaient de te rembourser ou je sais plus quoi. C'était Amazon. Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que t'as réussi à récupérer ton argent? Bon, du coup, on peut pas. Oh, attendez la voix. Reviens quand on aura fini de tout préparer. Ah, c'est trop bien. Non, mais... Toi, le forgeron. Je suis occupé. Repasse me voir plus tard. Ok. Et toi, le Miyaba l'apprenti, hein, tu sais rien. Oh, Géraldine, tu fais du shopping avec Inoua? J'aimerais bien l'accompagner un jour. Sois pas jaloux. Et vous pensez qu'il y a une romance dedans où si je prenais un mec, je pouvais me faire une des jumelles? Ça aurait été incroyable, ça. Ça aurait été beau. Enfin bref, je vais parler à Inoua. Donc elle, c'est Inoua. Elle a qu'un... C'est elle qui n'a qu'un... un foufou là, un nœud dans les cheveux. Ça fait longtemps qu'on avait pas fait du shopping ensemble. Oh putain, je vais... Ça va être terrible, hein. Allez, marchand. Ah, je vais faire le marchand dans Resident Evil. Welcome, stranger. Salutations, Géraldine. J'ai appris que vous aviez été accepté au sein de la guilde. Félicitations. Vous trouverez ici des remèdes ainsi que d'autres objets qui vous aideront dans vos chasses. Je diversifie souvent mon stock et j'ai des offres spéciales pour les chasseurs, des offres très intéressantes. Kagero propose... Ah non, c'est... Kagero propose parfois des articles à moitié prix, hein. Il faut en profiter. Alors je... C'est le RP adolescente dans la fleur de l'âge qui en manque de voilà. Hein, j'ai l'impression. Je pense que c'est le RP qu'on a adopté. Ah, j'attends les soldes pour me faire des. Pour faire mes achats. Et quand ça commence, je fonce comme une raciane sur sa proie. Horrible. J'ai souvent surpris Daminoa en train de me fixer. Je sais pourquoi à présent. Kagero, qu'en est-il de ces. Attends. Qu'en est-il de ces articles que tu devais me mettre de côté? Bien entendu, je vais les emballer et vous les faire envoyer. Oh super! Et bon, laisse-moi réfléchir. Où on peut aller maintenant? Terrible la voix, c'est trop bien. Ah, on va aller voir notre homme d'acier. Amon le forgeron, ce serait bien de lui rendre visite. Oui. Juste appuyer sur elle pour recentrer la caméra. C'est vrai que ça, c'est des petits trucs simples, mais ça change la vie. Alors, Amon. Ah, oh, mais c'est un vieux, quoi. Attendez. Ah, Inoua, qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien que je suis occupé et je me prépare pour la calamité. Oh, ne vous inquiétez pas, Maître Amon. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Écoutez donc. Et Géraldine fait désormais partie de la guilde des chasseurs. Kamura peut désormais compter sur le soutien de sa propre chasseuse. C'est génial, non? Oh, je vois. Dans ce cas, permets-moi de te féliciter, Géraldine. L'équipement forgé ici est essentiel. Il définit le chasseur et peut faire la différence lors d'une chasse. L'honneur de notre village est en jeu. Une chasseuse incapable de manier l'acier... Tatara. Ah, l'acier Tatara
ne pourrait représenter qu'Amura. Pardon, je pensais que c'était le nom d'un personnage. C'est l'Assiettata. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin ici. Quant à fabriquer et améliorer de l'équipement, ce sera pour plus tard. Oh, tant que nous sommes là, ça me fait penser à quelque chose. Tu peux recruter des pile-poils sur la place pile-poil juste là-bas. C'est le petit-fils de Amon, Laurie, qui s'occupe de ça. Pourquoi tu n'irais pas lui parler un peu plus tard? Terrible, terrible la voix. Oh, un fils forgeron qui fait des joujoux avec les félines et des canines. Mais où va le monde? Personnellement, je pense que s'occuper des pile-poils est une profession très honorable. Enfin bon, je m'égare. Maître Amon, est-ce que ma commande est prête? Oh, elle est. Un de mes apprentis te l'apportera plus tard. Oh, très bien. Allez, encore un dernier truc à faire et on aura fini. Voyons voir. Nom d'un dingo! Ce n'est peut-être pas le... Ce n'est peut-être que le salon de thé... Yomogi... Attends, quoi? Ce ne peut être que le thé... Le salon de thé de Yomogi la chef! La jauge de Philoptère est affichée en bas de l'écran. Putain, désolé pour ces voix. Hein. Moi, je vais jusqu'au bout. Hein. Tant que ma voix arrivera à les tenir, je vais le faire. Effectuer des propulsions pour attaquer les liens de soi, on s'en connaît, on l'a vu. Pour plus de détails, consultez les actions Philoptère, c'est en fonction de l'arme du coup. Très bien. Ah, oh, la musique elle est trop bien. Donc j'ai qu'à viser. Non, je me trompe là, c'est comme ça. Puis... Wouhou! Voilà. Et puis après, j'aurai. Je peux faire des attaques normalement. Voilà, je peux faire le dash avant avec A. Attendez. Ça commence à grésiller là, mon son. Comment ça se fait? Ça a l'air d'être parti. On va bien voir. Attention. Oh, Géraldine! Attends, c'est une petite là, mais terrible. On va faire le voix de chat aussi. Géraldine, c'est le voix de chat. Oh, Géraldine! Alors, comme ça, la guilde te reconnaît officiellement comme une chasseuse. Félicitations! Mais avant de partir à la chasse, n'oublie pas de passer me voir pour manger des dango lapins. Ils sont délicieux. Ils te donneront plein d'énergie. Les dango de Yomogi sont à tomber. J'en mange à longueur de temps. Rien que d'y penser. Oh, oh mais rien que d'y penser, j'en salive. Et... Ah, bref, Yomogi, comme d'habitude, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, Inoa. Une super giga commande de dango, c'est parti! Géraldine, j'ai vraiment apprécié notre virée shopping. Merci de m'avoir accompagné. Les objets achetés chez Kagero et Amon arriveront directement dans ton coffre. N'en parle pas à ma sœur, ok? C'est pour fêter ton nouveau statut de chasseuse. Reviens quand tu auras fini ton inscription, d'accord? Et les dango lapins? Désolé. C'est à moi, tout ça. Il faut bien que je mange. Oh la garce. Pourquoi tu n'équiperais pas une arme? J'ai hâte de te voir en tenue de chasseuse. Bonne idée. Qu'est-ce que tu dirais d'essayer cette épée longue que je viens juste de te donner? Non, non, je veux pas d'épée longue. Attendez, je veux pas une épée longue là. Oh, trop cool. Ça te va super bien, Géraldine. Ah, tu dois te sentir un peu plus forte là, hein? Il est temps d'à présent que tu ailles au grand camp t'inscrire comme chasseuse. Une fois que tu auras parlé à Ojo et pu t'inscrire, il pourra bien te laisser devenir une chasseuse de Kamura. Il faut que j'attende ma commande. Allez, file, reviens me voir quand tu auras fini. Oh non, 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 attendez. Ça va pas là. Coffre, je peux pas y aller. Bon, attendez, on va faire une petite réinitialisation du son là. Merde, c'est pas gain de couleur que je vais faire. Hop. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, tout est contrôlé. Tout est sous contrôle, je suis un professionnel. On y est. Ok, 40 minutes. Allez, on continue un petit peu. Et on s'arrêtera là pour cette première VOD. Ce sera la VOD début, hein. VOD 0.
Alors à moins qu'on direct on vous envoie chasser. Oh pardon. Trop stylé. Donc là c'est pas Inoa, c'est l'autre, comment elle s'appelle? J'ai plus son nom. Putain mais je veux aller habiter là-bas. Oh là là. Je veux lui sucer les lobes d'oreilles. Oh, oh, oh bien le bonjour Géraldine, il t'en a fallu du temps, dis donc. Tu gobais des mouches. Tu le sais déjà sûrement, mais je suis Ojo, le maître de la guilde. Et là, tu es dans le grand camp. Hein? Tu veux savoir comment tu peux rejoindre la guilde? J'allais te l'expliquer avant ton interruption. Alors ferme ta gueule un petit peu, évite de me couper la parole. Si tu m'avais laissé finir, je t'aurais dit que l'administratif, c'est du passé. Lance-toi, jeune chasseuse. Oh, oh, oh. Oh, plus de papier ni de test à passer. Juste mon feu vert et tout est bon pour le grand plongeon. Te voilà officiellement chasseuse. Une chasseuse de Kamura, qui plus est. Et ça, c'est pas de la merde, ma petite. Allez, hop, 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 hop. Va accepter une quête de Minoto au grand camp. Et à ta... Et à toi la joie de la chasseuse aux monstres. De la chasse aux monstres, pardon. Oh putain. Non, elle, du coup, elle, on l'a fait calme. J'aimerais bien, mais il faut que je prépare un rapport sur la calamité pour la guilde. Je suis vraiment désolé, mais essaie plutôt d'aller voir Inoa pour qu'elle t'explique le déroulement des quêtes. Salut l'artiste. Est-ce que j'ai vu bien? Oh, pas mal, hein, pas mal. Oh, il a l'armure de Zinogre. Utsushi le maître, mais c'est celui qui nous expliquait dans le tuto, ça. Je viens d'apprendre la nouvelle, c'est fantastique. Viens pas ici une seconde, avant d'aller voir Inoa. Que je t'admire de plus près. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Est-ce que je peux pas... Non, je peux peut-être, attendez. Oui. Ça, c'est bon, j'ai compris. Équipement. Changer. Je me suis entraîné exprès sur Monster Hunter World. Pour l'insectoglaive. Donc, on part sur de l'insectoglaive. Rien à foutre. Là, ça change rien de toute façon. À part que là, ça sera contondant. Mais nous, on est déjà en tranchant. En contondant. Avec. Voilà. Allez. Comptoir des quêtes arènes. Oh, des quêtes arènes là? C'est ici? Salut l'artiste, tu as fière allure, tu as rejoint les chasseurs, bravo. Le travail paie, je suis ravi pour toi. Oh, avant que j'oublie, il faut que je te parle de la barre d'action. Elle te permet de faire le plein de choses sans avoir à ouvrir les menus. C'est utile, crois-moi. Passons à la partie pratique, sélectionne la caméra dans la barre d'action et prends une photo de moi. Mais quoi? Et montre-la moi après, puisque tu sais, je me trouve particulièrement photogénique. Bon, ok, ça on sait... Mais ça fait quoi, ça, de prendre des photos? Les photos centrées sur un monstre, la faune locale, sont automatiquement classées dans l'album du Compendium. Appuyez sur machin en visant avec la caméra, vous laissera choisir entre deux points de vue, première personne ou vue hibouette. Ok. La photo sera prise à partir de votre vue. Ceci est recommandé pour rendre le sujet plus grand, pour les compositions plus générales. L'ibouette peut vous prendre en photo. Ah d'accord, ok. Ok, mais est-ce que ça fait une pause dans le jeu? Parce que moi si ça fait des pauses dans le jeu, on va passer notre vie à faire des... à faire des photos en vrai. Du coup il est où l'appareil photo? Là. Ok. Et je prends comment la photo avec... Ah, fais un effort, fais une pause, je sais pas. Il s'en fout. C'est bon. Non, je suis plutôt pas mal, dis donc. Maintenant que tu maîtrises la barre d'action, revenons à nos quêtes. Mais si tu veux pratiquer un peu, n'hésite pas à aller à l'aire d'entraînement.
C'est pas loin de la place pile poil en bateau. Laurie et ses amis à poil sont là-bas. Une fois là-bas, tu peux essayer plein d'armes et de talents. C'est parfait pour t'échauffer avant de chasser. Allez, je me tais, je te fais perdre du temps. Inoua t'attend, je crois. Oh putain, on va revoir le... notre personnage insupportable. Les notes de chasse dans le menu du jeu offrent des didacticiels, des astuces, des informations et d'autres éléments importants au fil. Mais bon, c'est un peu le guide quoi. Il y aura un peu de tout ce qu'on veut, les notes de chasse pour le compendium avec les grands monstres, les petits monstres, la faune locale, et tout. On connaît. Enfin, moi je connais, c'est Monster Hunter. Bon. Allons voir Inoua la quêtatrice. Putain, ça me fait penser. Quêtatrice, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Tentatrice, l'île de la tentation. Au secours. Et du coup, elle est où, Inoua? Je l'ai raté? Allez là. Oh, Géraldine, ça y est, tu fais partie des chasseurs. Super! Fugain l'Ancien m'a confié ton ibouette. Tu vas l'adorer, j'en suis sûr. Les ibouettes, elles aussi te viennent en aide pendant tes quêtes, mais à leur façon. Les ibouettes sont des créatures appréciées dans tout Kamula. Putain, on n'avait pas ça. L'ancien du village vous a donné une ibouette comme animal de compagnie. Si vous l'appelez votre ibouette via la barre d'action, elle se perchera sur votre bras. Et qu'est-ce que ça fait? Si un symbole apparaît lorsque votre ibouette est sur votre bras, appuyez sur le bouton correspondant pour faire voler votre ibouette. Vous aurez peut-être une surprise. D'accord. Remarque, cette fonction n'est pas disponible en mode multijoueur. Le menu de l'animal est accessible quand une ibouette est sur votre bras. Via ce menu, vous pourrez changer sa tenue et la nourrir. Ah, c'est un peu le Poogie comme dans World. Vous pourrez changer sa tenue et la nourrir. Si vous donnez à manger à votre ibouette, elle vous accueillera quand vous reviendrez de votre quête. Remarque, elle ne viendra pas en mode multijoueur. D'accord. Très bien. Il est temps de choisir un nom pour ta nouvelle amie. Comment je l'appelle, moi? Comment je l'appelle? Gertrude la chouette. Rien à foutre. Ma sœur est débordée en ce moment. Alors c'est moi qui vais te faire le topo sur les quêtes. Mais c'est bon, on le sait. J'ai envie de jouer, moi. Putain, ça fait 48 minutes, on a rien branlé. Les chasseurs sont chargés de réaliser les quêtes qui se trouvent sur nos listes de quêtes, à Minoto et moi. Il y a aussi les quêtes clés, choisies directement par la guilde des chasseurs. Si tu termines des quêtes clés, la guilde des chasseurs en sera informée. Dernière chose, prends ce florelet. C'est Minoto et moi qui l'avons fabriqué. Les florelets sont des amulettes de protection créées à partir des arbrisseaux de l'envoi. Le pollen transporté dans ces spectres par les spectres oiseaux renforce ton florelet et tes aptitudes. Prends-en soin. Un florelet est un type de bracelet porte-bonheur fait à base d'arbrisseaux de l'envoi entrelacés. À Kamura, les chasseurs en portent tous d'ordinaire. Comme toute pièce d'équipement, vous ne pouvez en porter qu'un à la fois. Les florelets absorbent le parfum du pollen des spectres oiseaux trouvés durant des quêtes, vous accordant ainsi divers bonus. J'imagine que si t'as un tel bracelet, ça te donne plus de stats et inversement, enfin voilà. Vous pouvez changer vos florets via l'option équipement du coffre, les alterner, trouver celui qui vous convient le mieux et trouver des spectres oiseaux pour améliorer leurs effets. D'accord ? Trouver des spectres oiseaux, mais les spectres oiseaux ils ne servent qu'à améliorer nos stats pendant la quête, non? Remarque, les florelets peuvent aussi être changés via le coffre de la tente. D'accord. Très bien. Minoto a dû finir son rapport maintenant. Il faut que je me remette au travail. Quand tu seras prête, viens nous voir pour obtenir des quêtes. Hé, attends! Il faut que je te parle avant que tu partes. Géraldine! Oh putain, c'est un chat. Ouais, Géraldine! Salut! Je te félicite d'avoir rejoint les chasseurs! Si un jour tu te lances dans une quête du grand camp, moi, sonnerie de postier, j'ai des infos importantes à te donner!
Il faudra que tu passes par moi pour rencontrer les chasseurs. N'hésite pas. Eh bien, je crois que c'est tout. Il est temps pour moi de chasser les monstres à présent. Pack d'objets. Bonus joueur démo. Oh, on a eu un bonus parce qu'on a fait la démo. Talisman d'apprenti, armure spéciale palico, costume de chat forêt, machin. Costume du Chomsky. Putain, attendez. On a déjà des costumes. Coffre, inventaire. Non. Équipement. Changer. Est-ce que j'ai du costume, moi? J'ai que ça, moi. Je peux choisir de... Ok. Coffre d'équipement. J'ai pas eu d'armure en plus, moi, quoi. Putain, c'est parce que j'ai pas l'édition de luxe, ça dégoûte. Fuse arbalète, ça, non. Ça, les sets d'équipement, ça, on sait. Ok. Apparence, personnalisation. Si je fais changer mon apparence, on découvre, hein. Je peux choisir que la coiffure, le maquillage. Je peux pas remodifier mon perso, donc... En vrai, ça va, il me convient pour l'instant. Ok. Mais comment je choisis mon Chomsky, moi? Il est stylé, hein, comme ça, en blanc. Blanc et l'armure bleue et tout. Je l'ai appelé Gaviscon, quoi, mon Chomsky, au secours. Menu chat. C'est ça, peut-être. Mais non, chat, c'est chat, je suis con. Désolé. Panneau des quêtes. Ok, on peut pas. Chevaucher. Attends. Ah, je peux lui dire de pas bouger et de venir. Trop bien. Phrase prédéfinie, perso 1, qu'est-ce que c'est? Enchanté. Je connais. Stickers 1. Bonjour. Set de pose d'armes. Oh oh oh! Mon gros canon! Mon Chomsky prend la pose aussi. Et mon palico. Mais qu'est-ce qu'il faut accrocher à moi d'ailleurs? Énorme. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est trop drôle en vrai. Appelez Libouette. Est-ce que je peux l'appeler? Alors attendez, voyons voir ce que ça fait Libouette. C'est vrai qu'on l'a pas fait du coup. Hop, notre piaf vient là. On va le caresser. Ça, putain, les touches, j'ai pas l'habitude. Je peux me balader avec. Mais comment il faisait? Je l'ai vu, il pouvait choisir de l'envoyer à tel ou tel endroit. Ah là, là. Faire voler ZR. Vas-y. Normalement, il me ramène quelque chose du coup. Ah, reviens! Il me ramène un truc là? J'suis pas sûr d'avoir tout compris. Je peux changer ses habits, sa couleur. Le renommer, non, j'ai retrouvé, c'est bien. Nourrir. Ah ok, je pensais qu'il fallait récupérer de la bouffe avant ou quoi, mais non. Oh, il fait un câlin! Il fait des câlins! Oh. Donc si je le fais voler là, ça change rien. Eh. Non, ça change rien. Oh le chat là, attendez. Je peux aller sur les toits. Oh, on peut aller sur les toits. Le palico là, je peux le réveiller. Oh, c'est toi Géraldine. Alors comme ça, tu fais partie des chasseurs maintenant, hein? Tu sais, c'est très important pour moi que tout le monde reste en bonne santé et ne sollicite pas trop mes talents de médecin. Mais tu n'es pas du genre fragile, toi. Alors j'imagine que je n'ai pas à m'inquiéter pour toi, bye. Ok. Et ça, c'est trop bien déjà. On peut aller sur les toits des bâtiments. Juste ça, c'est génial. Ok. Alors, progrès grand camp ou alors progression Kamura. Ah oui, donc il y a peut-être deux trucs, non? Oh, je ne sais pas. De toute façon, s'il nous lance une quête, on verra bien. Bien le bonjour, Géraldine. Tu es d'attaque pour de nouvelles quêtes?
Tu arrives à point nommé. Une nouvelle quête vient d'arriver. Maître Utsushi te cherche. On dirait que le temps est venu pour un peu d'entraînement. Il voulait vraiment devenir un vrai instructeur. Il n'arrêtait pas de te dire qu'il allait tout déchirer. Et Fugen l'ancien m'a tout l'air d'y être pour quelque chose. Mais on m'a dit que c'était un secret. À mon avis, il se creuse la tête pour t'aider dans ta carrière de chasse. C'est gentil, hein? Je suis désolé pour la voix des persos. La quête d'Itsushi est dans la liste des quêtes. Accepte-le quand tu es prête, vraiment prête. Une fois que tu es prête, va au portail des quêtes pour commencer. Ok. Jetons un œil à la liste des quêtes. Putain, l'unijambiste, hein, le nom direct. Ça commence. Pour accepter une quête, allez parler à la quêtatrice au village ou allez ou à la réceptionniste au grand camp. Pour rejoindre les quêtes du grand camp postées par d'autres chasseurs. Ah oui, bah le grand camp en fait c'est. C'est le. La grande salle. C'est Liana, tout ça sur Monster Hunter, c'est pour le multi. Et là on a des quêtes urgentes et les sous-quêtes facultatives. Ok, d'accord, très bien. Ok, quand vous acceptez une quête du grand camp, sélectionnez accepter demande de avec demande de participation pour permettre à des chasseurs d'autres lobbies de rejoindre votre quête. Votre quête en cours. Ah, ça veut dire que je peux lancer directement ma quête et automatiquement les gens peuvent me rejoindre. C'est pas moche. Désactiver pour les quêtes du village et durant une partie du en mode multijoueur local. Ok. Donc là, les quêtes, si je vais prendre des quêtes ici à la meuf. À Inoa, je serai forcément en solo, si j'ai bien compris. Appuyez sur ZR pour accepter une quête ou sur A au portail des quêtes pour la commencer. Si vous chassez en groupe, assurez-vous que tout le monde soit prêt avant de partir. Très bien. Donc là, on a une quête urgente. Retour aux bases. Complétez toutes les tâches d'Utsushi. On va faire ça, puis on se laissera sur la VOD. Hein. Ça fait déjà une heure déjà qu'on est dessus. Ok. Et donc là, normalement, je peux directement faire ZR pour partir. Ah, du coup, on n'est plus sur PC. Les temps de chargement sont un peu plus longs. Sanctuaire abandonné des dieux. Temple oublié. C'est énorme l'intro. C'est trop bien. Salut l'artiste, alors quoi de neuf? Tu as accepté ma quête? Cool! Viens par ici, on pourra commencer! Salut. Te voilà, chasseuse, bravo! C'est le début d'une nouvelle vie! Je peux voir à tes yeux que t'as hâte de dégommer du monstre, mais revoyons un peu les bases, d'accord? Commençons par le camp où nous sommes. Putain, ça y est, il se transforme en Gilles de Roi Lecart. C'est un lutin de Cornouailles, Harry, voyons! Commençons par le camp où nous sommes. Voici ta tente, elle te permet de changer d'équipement et d'armes et d'organiser tes objets. Si tu veux te débarrasser de ton set actuel, tu peux changer d'équipement à l'intérieur. Là, c'est la boîte à fournitures, elle contient plein d'objets utiles qui t'aideront durant les quêtes. Et tout ce qui s'y trouve est fourni par la guilde, alors n'hésite pas à prendre et à utiliser tout ce dont tu as besoin. C'est bon pour le camp, passons à la suite. Retrouve-moi près de la rivière, sous le dolmen. Si tu te perds, il te suffit de chercher mon icône sur la carte. Mais ça, c'est pas la quête du tuto qu'on avait eu à faire. Il va nous demander de chasser un grand jagui ou je sais pas quoi. Là. Assurez-vous que votre inventaire est en ordre avant d'aller chasser. Bon, ça on sait. Très bien. Consultez la carte, ça on sait aussi. Appuyez sur elle pour zoomer sur la carte et voir la faune locale. On connaît. Parce qu'on a vu... On a déjà fait la démo. Donc ça, c'est où on nous donne des trucs au début. Je peux rien prendre d'autre. Bon, de toute façon, on n'a pas vraiment besoin. Allez, c'est parti. Quitter le didactique.
Attends, en appuyant sur A, vous. C'est ce que je voulais faire, mais. Imaginez. Commande d'artisanat, on sait aussi l'artisanat. Merci. Merci, mais non, merci. C'est vrai que c'est comme ça, du coup. Faut pas que je me mélange avec Monster Hunter World. Ça, parce que après, j'ai les commandes avec mon Chomsky aussi que je peux avoir là. Ça, c'est les commandes facultatives. D'ailleurs, mon Chomsky, il est pas là. J'ai pas mon chien avec moi. Bon. Va falloir que je m'y refasse un peu au gameplay. Les petits changements qu'il y a eu avec Monster Hunter World. Hey, lève la tête! Bon, ça devrait venir tranquillement. Bon, parlons des phylloptères. Ces fabuleux insectes sont un atout incontournable pour toute chasse. Si tu t'en sers correctement, tu pourras alors aller n'importe où en un rien de temps. Même en haut de ce rocher. Essaye, tu verras. Ça va, ça, on sait. On connaît. Salut. Eh bien, dis donc, on dirait que t'as ça dans le sang. Parlons maintenant des pile-poils. C'est le Chomsky, ça. J'ai amené mon palico et mon Chomsky. Ah, c'est le... Bah oui. Ils sont pas très beaux. Hein. Moi, je préfère Dagger et Gaviscon. Hein. Éclair et tonnerre avec moi, aujourd'hui. Et ils seront là pour te filer un coup de main... un coup de patte, pardon. Essaie de monter tonnerre, mon Chomsky. Les Chomsky sont rapides comme l'air. Alors, si un monstre te poursuit, enfuis-toi sur le dos de ta monture. Très bien, je t'attendrai sur la route. Retrouve-moi là-bas. Ok, donc ça, on sait. Hop. Et normalement, c'est quelle touche? Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai oublié la touche pour... Non. Je sais plus. Non. J'ai une touche pour... Non. J'ai utilisé une potion, bah génial. C'est ça. Drift tour. Oh. Voilà, et puis ça permet de sprint. C'est bon, je m'en souviens. Ah, piège insecte. Attendez. Parce que bon, ils auraient pu nous le dire là directement, il y a les champs. Voilà, hop, ça augmente le, ça nous donne plus de vie. Ah, c'est trop bien! Enfin, on y est! Allez, go! Allez, prends de la bouse, ça c'est important. On va en prendre. Mais dit comme ça, bah, c'est pas très jojo, mais c'est important quand même. Mais regarde ce spectre oiseau jaune! Si tu en touches un, son pollen renforcera ce porte-bonheur que tu trimbales. Tu sais, ton florelet. Quand cela se produit, l'odeur du pollen enveloppe ton florelet et améliore tes statistiques. Ce spectre oiseau jaune augmente ton endurance, par exemple. Spectre oiseau d'autres couleurs améliore différentes statistiques. Plutôt cool, non? Oui. Donc oui, jaune, endurance, rouge, attaque. Ensuite, on a les verts pour la vie. Et on a les marrons, je crois. Enfin, marron, orange, là. Pour la défense. L'effet ne dure que durant la quête... La quête est en cours, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Oh, un tisse insecte là-bas. Les tisse insectes font partie des nombreuses créatures qui peuplent ces régions. C'est ce qu'on appelle la faune locale. Les poudres de... Ah, mais ça, on les a déjà vus, du coup, en fait. C'est la quête de la démo, je crois. On va tout passer, parce que ça, on connaît, du coup, en vrai. Hop, ça, je le prends, normalement, voilà. Ça donne plus de défense. Ça, on prend pas. Par contre... Je suis désolé, mais... Dans la démo, c'était pas nécessaire de prendre. Mais là, on va tout prendre. Par contre, ça, c'est trop bien. C'est que maintenant, tu prends une fois, tu prends tout. Avant, fallait prendre une fois, deux fois, trois fois pour tout prendre. Mais là, non, tu prends tout d'un coup. Et ça, ça change tout. Allez. Bon. On va passer tout ce qu'il nous dit. Sont super utiles pour se déplacer. En plus, tu peux les faire attaquer en chevauchant. Mais oui, c'est bon, j'ai compris. Hop, la barre verte représente votre jauge de vie, on sait, la barre jaune, l'endurance, elle se vide au fur et à mesure du temps. Se trouve un spectre oiseau durant la quête pour augmenter notre barre, patati, ça, on sait, donc c'est très bien. Je dois descendre du Chomsky. Pourquoi je dois descendre?
Oh, il a disparu. Non, il est là. Trop bien, en vrai. Wow, une meute d'Izuchi. Ah non, du coup, c'est le grand Izuchi. Une meute d'Izuchi. Bon, il y en a trois. Occupe-toi d'eux pour moi, s'il te plaît. Pas de pitié, ils sont petits mais vicieux. Souviens-toi. Bon, ouais, c'est la quête qu'on nous a fait dans le truc. Bon, alors du coup, attendez, parce que moi, là... Non, je me trompe encore de touche. Normalement. Non, j'ai encore failli. Comment ça marche? Ah! Ok, donc là, c'est la même touche qui me permettait de faire mon attaque sautée sur World. Il faut que j'apprenne, hein. Donc, joli, beau boulot l'artiste. N'oublie pas de dépecer pour récolter des matériaux sur les monstres, ils te seront utiles à la forge. Quand tu les auras fini de les dépecer, viens me voir. C'est vrai que là, du coup, on va devoir tous les dépecer. Bon, on va le faire. Ça, on n'a pas le choix. Et du coup, je sais plus si le monstre de fin, donc le grand monstre, à la fin, est-ce qu'on le dépece en une fois ou il faut le dépecer aussi une, deux, trois fois. Je sais plus. On va bien voir de toute façon. Alors du coup, il faut que je vise comme ça. Je dois appuyer sur X ou alors triangle. Et pour le ramener, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ok, donc c'est A. Oh, il est très lent, au secours! Et ok, c'est comme ça pour le ramener. Ok, je peux faire une attaque sautée? Oui. Et ça, c'est trop bien parce que je peux faire... Normalement, je peux enchaîner une attaque sautée. Je peux pas faire le philoptère en plus, normalement? Si, je peux faire des dingueries, en vrai. Est-ce qu'ils ont toujours le combo de base? Ça... On enchaîne sur ça, après on prend ça, ça. Ouais, c'est plus ou moins le combo que j'avais sur moi. Ça change pas trop, ça va. Ok. Hop, on a un philoptère en plus. Ah. Je n'en attendais pas moins de toi, tu as été fantastique. Tu t'es dit peut-être que tu aurais pu faire mieux, ne t'inquiète pas. Ce n'est que le début. Il est temps de retourner au camp. On dirait bien qu'on s'est un peu éloigné. Mais t'inquiète, utilise le voyage rapide... et tu seras de retour au camp en un clin d'œil. On se retrouve au camp. Nice. Donc la carte est comme ça. Attends. Ah, il faut rester appuyé. Voyage rapide. Hop, voilà. Il y a quand même quelques petits trucs qui diffèrent de World, donc du coup un peu plus de mal. Il faut le temps ou quoi. Bon, c'est pas peut-être pas pour tout de suite qu'on va. C'est pas pour cette VOD qu'on va se faire un grand monstre, mais pour après. Parler. Bravo, tu as terminé la quête d'entraînement de base. Tu viens de me prouver que tu es devenue une vraie chasseuse, mais j'ai rien fait. Hein. Tu as bien appris ce qu'il faut, mais n'oublie pas que Fugen l'ancien et moi attendons beaucoup de toi. Si jamais tu veux revoir les bases, encore une fois, il te suffit d'aller voir Inoa et de choisir cette quête. Je serai ravi de t'aider à revoir les bases si besoin. Voilà, allez. Trop bien, j'adore. Est-ce que j'ai des choses à récupérer aux alentours là? Des petites potions ou quoi là? Non, il n'y a rien, c'est vrai. Je sens qu'on va beaucoup trop y jouer. Hein. Ah, déjà demain. Hein. Toute l'après-midi, on part sur ça. Par contre, je vais enlever son putain de chapeau. Là, c'est ce qu'on va faire. Ok, du coup, on a eu de la viande crue. C'est pas trop mal, ça peut nous servir. Ration, on sort une petite quantité d'endurance. Et ça augmente pas notre endurance max parce que maintenant, c'est les insectes, là, j'ai plus. Les petits moineaux, là. Du reste tordu, champignon bleu, c'est bien. Noafrag dragon, on s'en fout. Et du miel, ça, c'est très bien. On a 825 zénith. Et les points Kamoula. Alors ça, les points Kamoula, est-ce que ça va être... est-ce que c'est censé représenter les points de recherche dans World?
Une nouvelle cinématique a été ajoutée à la galerie, donc c'est celle qu'on a vue au début. Amulette de Kamura. Je pense que ça doit être ça, hein. Les points Kamura, ça doit être les... Comment ? Les points de recherche dans World. J'ai pas envie de dire de conneries. Je n'ai point envie de dire de conneries. Bon, ça va encore. Les temps de chargement, ça peut aller en... La quête d'Izuchi. D'Izuchi, pardon. Ne t'a pas posé de problème, on dirait. Ah ouais, non, attends. On faisait cette voix-là, c'est vrai. Oh, la quête d'Izuchi, t'a pas posé de problème, on dirait. Je n'en attendais pas moins de toi, Géraldine. Aujourd'hui, tu as pris les bases de la chasse. Où que tu ailles, ces leçons te serviront. Oh, Inoa, tu devrais voir avoir des quêtes, une étoile. Attends, Inoa devrait... Putain, je sais plus lire en plus. C'est l'excitation de ce jeu. Inoa devrait avoir des quêtes à te proposer. Phil, je te souhaite bonne chance. Bien. Bon, bah voilà. Bon, ça sera la VOD 0. YouTube, j'espère que ça t'a plu, en tout cas, cette découverte. N'hésite pas à t'abonner si tu veux la suite de cette aventure. La suite de... Comment on l'avait appelé ? Géraldine. Géraldine qui est avec Gaviscon et Dagger. Daga, de son petit nom. Et Gertrude... Gertrude Libou. Pas chouette. Incroyable, incroyable. Mais qu'est-ce que... Ça peut que promettre. En vrai, bon... Allez, on se laisse, voilà, on se fait des, je te fais des gros bisous YouTube, hein, partage, abonnement, commentaire, like, tout ça, tu connais. Je te fais gros bisous, puis je te dis à la prochaine. Ciao !